Je m'appelle Antoine Zegdar, j'ai 25 ans, je suis rugbyman professionnel et je joue en équipe de France à 7 et récemment j'ai été champion olympique. Olympique, c'est la compétition ultime. Le fait d'être champion, ça représente énormément de travail, de résilience et de sacrifice. C'est vraiment une consécration, d'autant plus que j'étais dans l'équipe en 2021 qui n'avait pas été qualifiée pour les Jeux à Tokyo. C'est un gros échec pour moi. Et là, le fait d'être champion olympique, c'est une belle revanche. À environ 2h30 avant notre premier match, donc je suis allé sur le stade. Et là, le stade n'était pas rempli, il devait y avoir 3 ou 4 000 personnes. Ensuite, je suis reparti m'échauffer et tout ça, faire notre préparation d'avant-match. Et là, quand je suis rentré sur le terrain, on a un couloir avec une porte. Et quand les portes se sont ouvertes, là, j'étais. J'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était vraiment incroyable. Le stade était rempli, il y avait 80 000 personnes qui étaient tous pour la France. Donc voilà, ils nous ont tous acclamés et ouais, j'ai rarement ressenti quelque chose d'aussi fort et intense. C'est le coup de sifflet final de la finale justement, où on se rend compte qu'on est champion olympique et que toutes ces années passées, tous ces entraînements et toute cette intensité qu'on a mis pour arriver jusque-là a finalement payé. Et aussi, je dirais, à la fin de cette finale, du coup, je suis allé rejoindre mes parents et ils étaient super fiers et ils étaient très heureux pour moi. Et voilà, c'était un moment très intense au niveau émotion et ça restera gravé dans ma mémoire à jamais.